Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe de notification Mombad Media nan la. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Les 9 membres ont reçu leur arrêté qui fait d'eux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau conseil électoral provisoire. Haïti est définitivement sur la route des élections. À l'édifice qu'est la démocratie. Le conseil électoral est un outil important de préservation de l'équilibre démocratique. Je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce conseil électoral provisoire. C'est dans un contexte particulièrement difficile que vous avez pris la décision de servir la République. En acceptant de devenir membre de ce conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissant. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques, vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de positions diverses. S'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder, c'est le besoin de stabilité dans le pays. Cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisi par le peuple à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent
que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ses organisations et de ses pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoique ambitieuses, mais nécessaires, pour ne pas dire indispensables au progrès, à la stabilité sociale, politique et économique du pays. Les forces sociales, politique et économique du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti, notre pays, a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation. L'heure est grave. Les temps sont difficiles. L'horizon est embrumé. Pourtant, nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en note positive, en mettant de côté ce qui nous divise, en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit. Peuple haïtien, frère Maxime, cap tandem ou bien cap gardem dans quatre coins pays dans la diaspora. Dans tout l'autre pays, il y a un problème d'instabilité, goumen yon ak lot. Il a toujours consulté le peuple dans l'élection pour lui demander ça le penser. C'est dans l'élection que le peuple a décidé qui moun livre pour diriger. Le li pas satisfait de l'idée, li yo, li pas voté. Il li pas voulu pour moun sa yo. Parle nan non li, parce que li pas de bay au mandat. Qui donc? Meilleure façon pour yon moun konnen qui sa peuple a pensé de où, c'est dans l'élection pour aller. Peuple a pas voyé personne, ni tout yon moun nan non li, ni boule machine nan non li, ni faire moun paix nan non li, ni empêcher petit yon à l'école. Là nous choisi démocratie comme modèle pour fonctionnement société, nous choisi tolérance, vivre ensemble. Nous choisissons l'élection. Je dis ça plusieurs fois déjà. Pas de monde. Pas de groupe monde. Pas de parti politique qui a prétendu résoudre pour lui ma compte avec un paquet de problèmes du pays d'Haïti accumulé depuis plus de 200 ans. L'est arrivé, Haïtien, Haïtienne, frère Maxime, pour nous mettre un bout dans la machine instabilité sans frein ça,
qui bouleverse la vie de chaque citoyen qui vit dans le pays. Nous pas qu'à continuer à assister au pays qui sorti pour disparaître dans le pays. Elle sorti pour disparaître dans le pays pour cause de division, instabilité et violence aveugle. Moment arrivé pour nous apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre. Ça nous constate, côté nous aujourd'hui, pas de l'autre mot pour décrire la réalité. Ça. Nous avançons à toute bouline sur le chaos, sur la catastrophe. Nous avançons sur la destruction de la nation. Et j'aime toujours dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Une autre fois encore, m'a demandé nous toutes, quel que soit à côté nous camper sur le plan politique, social et économique, pour nous comprendre, il faut que nous ayons un sacrifice qui est fait pour le pays. Ça veut dire, il faut que nous joignions un consensus pour nous convertir tout ça qui divise nous en opportunité. Cap permettre nous joindre bon gens entente pour mener pays nous sur route réforme tout bon vrai. Pas de porte qui ferme. Au contraire. C'est avancer n'a pas avancé pour déboucher route là. Peuple haïtien sème ak famille. Tout le monde dans la société civile là. Secteur politique là. Secteur économique là. Ak diaspora reconnaître et yon d'accord que le pays a besoin de bon changement et de réforme qui va mettre le camp de droite. Moment difficile. Li fait nous en pile. Mais pas oublier. Si nous décidons de mettre tout ça qui divise nous sous côté, laisse ça, li pas le fait clair. Mais pour lumière ça apparaît, faut que nous joignions un minimum accord sous désaccord nous. Parce que nous ne sommes pas capables de retirer le pays dans le trou fond côté lié sans nous pas mettre toute force nous ensemble. Citoyens, citoyennes, groupes société civile, organisations politiques, religieuses et syndicales, diaspora, nous demandons tous pour nous engager dans la route changement pays. Haïti, c'est pour nous tous. Je demande pour chaque responsable public dans l'État pour prendre responsabilité. Je demande pour chaque citoyenne, pour défendre le droit, pour participer dans la politique du pays. Je demande pour la loi accompagner la vérité sans passe pour qui. Je demande pour Haïti prendre route et stabilité, la paix et le progrès. Parce que le pays nous tout réveille. Ce n'est pas dans le météo, on roche dans le menu chaque que nous avons joué. C'est dans le bail, il y a l'autre accolade que nous avons joué. Je dis, moi, que le pays a besoin tout petit. Depuis que je suis monté dans le pays, je ne comprends pas comprendre comment le monde ou bien le secteur dans le pays a comprendre gen moun ki plus passe l'autre gen secteur ki plus gros passe l'autre. M'pa comprendre ça. M'a comprendre que tout haïtien quel que soit côté ou a vivre c'est même droit ak même devoir que yo tout gagnen. Société a malade. Trop hypocrisie. Trop non dit. Jodi a faut nous ka parler. Faut nous parler pour nous yon nous comprendre l'autre. Pour tout monde paraît croire que héros indépendance yo te sacrifié tête yo soldat qui te bataille dans guerre de l'indépendance yo pour moi un groupe monde qui comprenne que c'est pour eux seul bataille ça te fait. Mm-hmm.
bataille ça a été faite pour tout le monde, pour tout haïtien à la honte badé. Que haïtien qui vient pour clair, que ça vient pour noir, que haïtien qui vit en dehors, que ça qui vit la ville, que haïtien qui vit dans la diaspora, que ça qui vit en Haïti. C'est pour tout le monde que la bataille a été faite. C'est pour ça que je dis, chaque qui sous le conseil électoral, là, pour voir ça, chaque là en pile. Parce que son chaque qui peut mettre le pays sur route changement tout bon vrai, sur route réforme que nous rêvons. Côté réforme, côté tout le monde s'y pose là-dedans. Côté tout le monde à la ronde, sans exclusion. Si poser la donne. Et pour le fait, faut que nous cachions à parler, faut que nous cachions à attendre, parce que nous cachions à parler, mais si pas de monde qui attendait, là, c'est un gros problème. Moment arrivé, pour nous comprendre que changement total capital, ça nous tous souhaitons, là, possible, et là, possible. Comme premier mandat de nation, devoir c'est défendre le régime démocratique que le peuple a choisi pour bien lui, pour sécurité petite lui. Ensemble, nous avons mené la bataille jusqu'à la victoire finale. Et la victoire finale, là, c'est la victoire démocratie. La victoire finale, là, pas de pour un petit groupe de monde. La victoire finale, là, pas de pour un seul monde. Victoire finale là, l'idée pour tout le monde. C'est ça qui est important. Je dis que nous tous nous devons connaître. Depuis l'aime monté dans tête pays, pour vivre aujourd'hui, c'est ça ma prêche et c'est pour lui ma bataille. Et c'est pour lui moi-même avec l'équipe, moi. Nous gourmets, moi-même avec le gouvernement qui l'a. Décision difficile qui prend, il y a des décisions qui font mal. Même à dire nous, ces décisions ça yo, c'est yo qui bon pour monde qui pas gain voix yo. Parce que si pas gain bon genre décision qui prend pour nous retirer pays à dans pauvreté, dans misère, dans crasse côté lié aujourd'hui, pour nous retirer Haïti dans fait noir côté lié aujourd'hui, si pas gain bon genre décision qui prend pour nous lumer tout pays à, parce que si nous voulons parler de développement, faut nous repérer qui est en vent. Ça veut dire bagaille qui vient en vent développement. Qui ça y est? C'est route, c'est de l'eau, c'est courant. Nous pas capable de développement sans nous pas planifier bagaille ça y est. Parce que si pour nous gagner bon hôpital, faut nous gagner bon courant pour ça l'opération fonctionner très bien. Si pour nous gagner bon gens université, bon école, faut tout système électrification pays a nous chita sur lui. Tout le monde comprend clair que c'est route ça nous devons prendre. Mais en pile monde, pour me pas dire un petit groupe monde comprendre que wall pa yo c'est barré mission ça. Et son mission c'est lui moi même avec équipe moi nous choisir nous bailler tête nous pour nous capable mettre pays a sur route changement. Route développement, route démocratie. C'est pour ça aujourd'hui, moi décidé mettre conseil électoral là en place parce que moi connais sans démocratie, pas jamais gagner stabilité et si pas gagner stabilité, pas jamais gagner progrès. Et sans progrès, n'a toujours été dans la misère, n'a toujours été dans sous-développement, n'a toujours été à la traîne de toute l'autre nation qui est dans le monde là. Je remercie tout le monde à la honte badé. Surtout, secteur qui choisit membre CEPO. Secteur qui choisit mettre jodi à camper gros outils. Je connais 9 secteurs. Ce sont gros décisions que nous prenons. Mais ça m'a dit aujourd'hui, nous avons participé dans la construction. Pi gros parti démocratie, construction réforme, construction pluralisme politique là, construction démocratie même, ça veut dire élection, c'est là
pour moun capable vinn di si peuple a vle ou non. Bon côté là. Il y a pile moun qui dit en pile bagay. Mais pas oublier. Parler, faire gros discours, c'est pas la réalité. Jodi a, c'est comment se préparer pour faire bon gens campagne. Pour bay bon gens programme. Pour peuple là. Pour peuple là comprendre nous pour qu'a venir remplacer pour qu'a venir sénateur pour qu'a venir député pour qu'a venir magistrat pour qu'a venir kazek pour qu'a venir azek pour qu'a venir délégué ville. Monsieur le ministre du commerce et de l'industrie, madame la directrice de cabinet, monsieur le secrétaire général de la primature, monsieur le gouverneur de la banque centrale, monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Monsieur le Président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie d'Haïti, Monsieur le Président de la Chambre de commerce américaine en Haïti, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, Monsieur le Président de l'Association des industries d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres des Chambres de commerce et d'industrie et d'associations parties prenantes du présent accord, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Le gouvernement et des représentants des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que d'associations du secteur privé, sont réunis ce matin pour signer un mémorandum d'accord sur la mesure d'affichage gourde en gourde des prix des biens et des services sur tous les territoires nationaux. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 31 août 2020. Deux, l'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Trois, un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. Quatre, la mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et cinq, l'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue qui a démarré le 4 septembre. Il s'est poursuivi à travers les échanges continus dans le cadre du processus d'élaboration du contenu des différents points que je viens d'énumérer. L'esprit d'entente et de concorde, la volonté d'avancer ensemble dans l'intérêt de tous, nous a permis de parvenir à ce consensus. Dans la conjoncture actuelle, de telles attitudes constructives sont à promouvoir, voire renforcer. Notre pays a connu de nombreux bouleversements qui ont entraîné l'effondrement des institutions traditionnelles de la société. De nouvelles institutions font leur apparition, notamment l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché, et le propre de ces nouvelles institutions est de faire une large place à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de contracter, ainsi de suite.
La liberté ne veut pas dire l'absence de contraintes, l'absence de contrôle, l'absence de régulation et donc l'absence de pouvoir de coercition. La liberté signifie simplement toute intervention des pouvoirs publics pour faire valoir une contrainte, un contrôle, une régulation doit se faire au nom du bien supérieur de la nation. Sur le mémorandum d'accord. Merci. Monsieur le Premier ministre, messieurs les représentants du secteur privé des affaires, monsieur le gouverneur de la Banque centrale et messieurs les ministres, évidemment, vous avez parlé de mesures pour exiger au secteur privé d'afficher le prix des produits en gourde. Maintenant, au cas où certains membres du secteur privé n'accepteraient pas de mettre en application ces mesures, est-ce qu'il y a des sanctions prévues dans ce mémorandum? S'il y en a, est-ce que ces sanctions seront légales? D'abord, ensuite, aujourd'hui, il y a une grande différenciation, une différence dans le taux de change sur le marché. Hier encore, c'était à 75-77 quelque chose comme ça, dans certaines banques. Mais il y a des institutions qui affichent encore le prix de leurs produits en gourdes en gardant le même taux, l'ancien taux 125-130 gourdes pour un dollar. Maintenant, que va faire l'État, le gouvernement, monsieur le Premier ministre, à ce sens-là, pour faire que ces institutions-là respectent les mesures prises par l'État haïtien? Merci beaucoup, c'était Jean-Jules Desaugustes pour Radio et Télémétropole. Ok, ça va. Mm-hmm. Oui, il y a déjà des sanctions prévues par la loi. Et le ministre du Commerce saura en temps et lieu comment appliquer ces sanctions. Mais là, aujourd'hui, si nous étions en retard aujourd'hui, c'est que nous étions en train d'arrondir les angles, nous mettre sur la même page. C'est-à-dire le secteur privé est largement représenté ici à travers ses représentants. Et là, nous resterons à l'écoute, et étant donné qu'il y a une autre partie, que c'est nous au niveau du gouvernement, nous avons aussi notre devoir à faire. Là maintenant, nous allons accorder nos violons pour que nous soyons toujours sur la même longueur d'onde. L'autre question, c'est que c'est... Vous savez, malheureusement, et nous sommes dans ce qu'on appelle une économie de marché. Le ministère du Commerce aussi a des inspecteurs dans les rues, et ceci chaque jour, et pour vérifier ces genres de comportements, là maintenant, la loi va sévir contre les gens qui continuent à faire fonctionner comme ça l'économie. Parce que les lois sont là, il suffit de les appliquer. Merci. Donc, je salue l'intervention du Premier ministre et les autres membres du panel. Donc, j'ai une question en ce qui concerne l'application de ce mémorandum d'entente. Est-ce qu'il est prévu qu'une période d'évaluation, est-ce qu'il y a une période à proprement dit pour l'application de ce mémorandum d'entente? Merci. Merci. C'est prévu que le dialogue va continuer entre les membres du gouvernement et le secteur privé. C'est prévu. Merci beaucoup. C'est déjà prévu dans le mémorandum. Un délai? Non, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire, on avait commencé le 4 septembre,
Je crois qu'on a eu déjà deux réunions entre le 4 septembre et aujourd'hui. Là, nous allons continuer à travailler ensemble. Merci. Monsieur le Premier ministre, c'est Jesse Bonseliné pour la Radio Nationale d'Haïti. Donc, dans le mémorandum, c'est là que nous soutenons. Donc, il y a un rapport directement avec la question commerce. Mais nous connaissons ici en Haïti, aujourd'hui, propriétaire Caillou, il a fermé Caillou, c'est en majeure partie, c'est en dollars. Est-ce que dans le mémorandum, il y a des sanctions qui prévoient, ou bien des clauses d'accompagnement qui prévoient pour les gens qui n'ont pas fermé Caillou et que le propriétaire a exigé c'est en dollars pour payer? Merci beaucoup. Bon, là, il s'agit d'un contrat sous sein privé et deux parties. Parce qu'il y a un contrat, c'est régi, du moins, la loi prévoit que c'est deux mounes ou bien trois mounes ou bien deux groupes de mounes qui font un contrat. Mais si on entend yo sous ça, l'État vraiment, l'État pas même au courant si contrat a été fait. Là, maintenant, nous finissons d'entendre nous pour nous faire. Il y a qu'à payer en dollars, tout comme il y a qu'à payer en gourde, et puis il y a respecté taux de référence que Banque Centrale est fixé, du moins mettez. C'est comme ça lié. Dans tous les pays du monde, on nous a signé un contrat dans quelques monnaies qu'on choisit de faire. Mais c'est une entente de deux parties ou bien de deux groupes de personnes. Merci. Merci. Nous voilà arrivés au terme de la cérémonie. Donc, merci. La voix de l'Amérique, allez-y. Le Premier ministre Jouté, je me salue, représentant le secteur privé qui est là. Et le ministre commerce, là, Jonas Kofi, pendant a annoncé les mesures que il a adoptées pour permettre que le prix soit affiché en goud, pendant bien goud là, qui n'a pas apprécié par rapport à le dollar américain, hein, sur le marché national là, il y a bagaille qui a passé dans le banque commerciale. Jodian, si vous avez besoin de changer 100 dollars américains, on va d'accord. C'est 50 dollars seulement que vous voulez changer pour vous. Donc, là, mais qu'on est, qui ça qui explique ça. Merci. Et autorité monétaire, au moment venu, il y a pas de réponse à ça. Mais c'est bon signe. Et bon, le tout, vous avez besoin d'acheter 500 dollars, vous ne pouvez pas vendre. Il y a 12 et 50 dollars, vous pouvez vendre. Alors, le bon dit le bon. Nous, nous comprenons que nous-mêmes les hommes, nous ne sommes jamais satisfaits, nous toujours apprenons de plus et c'est normal. Mais l'autorité monétaire, il a résolu le problème non, au fur et à mesure. Et merci en pile, c'est une très 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 belle question parce que je pensais chaque journaliste qui pose des questions là, il pose des questions pour la population. Vous êtes à l'écoute de la population, nous portez pour nous, nous noter et nous apprenons les mesures qui s'imposent pour que nous satisfaisons les besoins de la population. Alors, m'a profité remercier tous les représentants du secteur privé. Je pense que c'est très bien. Et moi souhaitais, une autre là encore, n'a pas invité journalistes à venir ouais discussion, parce qu'on a eu des discussions assez mouvementées là ce matin. Nous avons fini d'entendre nous son bagage, et puis boum, discussion encore, mais en fin de compte, le problème a été résolu. Et m'a profité tout, remercier la presse pour patience. Moi-même, le jour où j'ai patience la presse, m'a millionné. Merci en pile. Bonne journée. Merci. Donc, merci vraiment.
Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.